Ça y est, Tomorrowland, c'est fini. Le festival Dance et Electro s'est clôturé dimanche soir à Beaume. Mais les festivaliers avaient commencé à faire la fête bien plus tôt, en avion d'abord, pour venir en Belgique. Et ils s'étaient ensuite donné rendez-vous sur la Grand Place de Bruxelles. Après la plus belle place du monde, direction ensuite Beaume. Hello. It's me. C'est là que tout se passe, et pour ceux qui ne connaissent pas, Tomorrowland, c'est d'abord et avant tout de la musique. Des DJ connus comme David Guetta, mais aussi des ambiances plus mystérieuses. Nature has a heartbeat. Des chanteuses charismatiques. Ministre des Affaires étrangères et même un mariage. Il s'est connu grâce à Tomorrowland et l'année dernière il m'a proposé en mariage ici à Tomorrowland. Moi c'était une suite logique de se marier ici. Mais Tomorrowland c'est surtout une énorme ambiance et beaucoup de monde pour cette 12e édition avec pas moins de 180 000 visiteurs représentant 200 nationalités. Et avec ce succès, la rumeur d'un festival s'étalant sur deux week-ends prend de l'ampleur. Pas une mauvaise idée, selon le bourgmestre de la commune de Beaume. Nous allons voir, mais je pense que ce serait une bonne chose pour Beaume. Et si l'organisation se passe bien, ce serait clairement une option. Ce lundi matin, la musique de Tomorrowland résonnait encore, mais cette fois à Brussels Airport. Un DJ a fait le show, perché dans un arbre, pour le retour en avion des festivaliers avant l'année prochaine.